Bonjour à tous et bienvenue sur Cascade de France. Aujourd'hui, je suis en Haute-Loire et je vais aller voir la cascade de la Baume. Alors, je vais vous faire découvrir le chemin pour accéder à la cascade de la Baume. C'est un chemin qui prend une vingtaine de minutes. Il y a un parking qui est très bien aménagé. Et c'est pas étonnant parce que ici, c'est la cascade la plus connue de la Haute-Loire. Alors, il faut savoir que la Baume, c'est le nom de la rivière, de la cascade et du village qui est à côté. Et il y a une légende qui raconte ici qu'il y a une jeune fille qui était la fille du châtelain du village de la Baume, qui s'est perdue et qui s'est retrouvée ici, au bord de la rivière de la Baume, et qui aurait vu un démon. Donc vous vous en doutez bien, lorsque la fille du châtelain est perdue, c'est tout le village qui s'affaire pour la retrouver. Alors ils ont retrouvé la petite fille assez rapidement après qu'elle ait vu ce soi-disant démon. Et l'histoire raconte en fait que ce qu'elle a vu, c'est un enfant, c'est celui qui s'occupe des chèvres, le chevrier, qui était parti à sa recherche. On imagine assez facilement une enfant seule perdue dans la forêt qui se met à avoir peur et qui croit voir un démon. Sauf qu'il semblerait que tout le monde n'ait pas la même façon de raisonner. Bah oui, parce que le papa, lui, quand il entend sa fille dire « j'ai vu un démon », il se dit quoi ? Ma fille est folle. Alors forcément, la petite fille et le chevrier sont devenus copains et ils passent leur temps ensemble. Et un jour, le papa dit qu'il a un remède contre la folie. Ce serait d'envoyer une grande quantité d'eau froide sur la tête de la personne. Donc le petit garçon, pour sauver son ami, emmène la fille du châtelain ici à la cascade de Baume pour la pousser à sauter dans l'eau. Et pour l'attirer vers la falaise, il lui dit « Oh regarde, en bas dans l'eau, je vois la Vierge !» Ils ont donc décidé de sauter ensemble. C'est pendant qu'ils tombèrent que la Vierge décida d'intervenir et freina leur chute. Quand la jeune fille reprit connaissance au bord de l'eau, on se rendit compte tout de suite qu'elle était plus folle. Et avec le temps, c'est ainsi qu'ils se marièrent et qu'un jeune chevrier devint seigneur de Baume. Thank you.
voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce en l'air et un petit commentaire. Et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et moi, dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine cascade. Allez, salut, ciao, ciao !